Tournant politique en Afrique du Sud, l'IFP annonce sa participation au gouvernement d'unité nationale. Vélène Kosini-Labissa, leader de l'IFP, soit le parti de la liberté Inkatha, a déclaré mercredi que son clan rejoindra le gouvernement d'unité proposé, une étape cruciale vers la résolution de l'impasse politique qui secoue l'Afrique du Sud depuis les élections du 29 mai. Cette décision survient après que l'ANC ait perdu sa majorité parlementaire lors des élections, laissant le pays dans une situation politique incertaine. L'IFP rejoint ainsi l'ANC et l'Alliance démocratique. Cependant, certains partis comme les Economic Freedom Fighters de Julius Malema et le MK de Jacob Zuma ont refusé de participer à cette coalition, ajoutant des défis à la formation d'un gouvernement.